Salut et bienvenue dans le coin des youtubeurs. Aujourd'hui, je vous explique comment et pourquoi envoyer un petit message de bienvenue à vos nouveaux abonnés. Ça peut vous mener loin et c'est pas si compliqué que ça. Alors, on va utiliser une petite extension pour Google Chrome qui s'appelle TubeBuddy. Je vais vous en parler pas mal parce que c'est vraiment ma petite botte secrète. C'est un petit outil qui marche très très bien, qui fait plein de choses géniales et qui fait économiser beaucoup de temps. Plus quand on commence à avoir une chaîne assez conséquente, mais dès le début, il y a quand même quelques petites fonctions sympas et celle que je vais vous présenter aujourd'hui en fait partie. Donc si ça vous intéresse et si vous aimez ce qu'il y a dans ce tuto, je vous invite à aller voir dans la description, je vous mets le lien vers TubeBuddy. Donc allez-y, c'est juste une extension pour Chrome à télécharger. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'envoyer un petit message. À chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre chaîne, vous pouvez recevoir une notification par email, notamment quand votre chaîne est petite, c'est toujours sympa d'activer ces notifications pour voir que voilà, ça s'incrémente petit à petit. En fait, il y a un moyen assez simple d'envoyer un petit message de bienvenue à tous ces nouveaux abonnés, et je pense que c'est un bon moyen de dire que vous êtes une vraie personne derrière la caméra et de montrer que ben, vous vous intéressez un petit peu à la personne qui vient de cliquer s'abonner et qui en gros vient par cet acte-là de dire j'ai envie de regarder toutes vos vidéos jusqu'à la fin de ma vie. Donc je pense que ça peut être pas mal quand même d'essayer de recueillir son avis à cette personne, de la faire discuter un petit peu, et ça veut dire que cette personne se sentira un petit peu partie prenante de la chaîne et voudra peut-être par la suite plus facilement commenter, plus facilement participer, et va pas forcément juste être là pour consommer en fait ce que vous faites, et je pense que c'est plus intéressant d'avoir des membres actifs. Bref, donc voilà, une fois que vous avez installé cette extension TubeBuddy, donc lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vous invite d'aller dans votre Creator Studio. Et dans votre Creator Studio, vous allez cliquer sur Communauté. Et dans Communauté, vous allez cliquer sur l'onglet Abonnés. Et là, vous pouvez voir toute la liste de vos abonnés. Et avec cette extension, vous avez ici des petits points tout à droite là-bas qui disent en gros, une fois que le point est vert, ça veut dire que vous avez déjà contacté cette personne, vous lui avez envoyé un message. Et vous voyez ici, TB, vous avez le petit truc TubeBuddy ici qui permet d'envoyer un petit message spécial. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc là, par exemple, je vais faire envoyer un message à Pierre. Et on a une fonction dans TubeBuddy qui s'appelle Canned Responses. C'est en gros des réponses sauvegardées, des réponses générales que TubeBuddy va sauvegarder. Donc dans la version gratuite de TubeBuddy, vous pouvez en mettre une. Dans les versions payantes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour un message de bienvenue, vous pouvez envoyer le même à tout le monde, il n'y a absolument aucun souci. Et vous pouvez de toute façon le personnaliser. Mais l'intérêt, c'est que du coup, on gagne énormément de temps parce que j'ai juste à cliquer ici sur Abo, c'est mon message. Et vous voyez qu'ici, mon message, il s'affiche automatiquement. Et il y a une petite fonction intéressante quand on crée ces nouveaux messages, on en fera un tout à l'heure. C'est quand on met entre crochets un grand N, il va automatiquement mettre le nom de la chaîne à cet endroit-là. Donc là, par exemple, il commence mon message par Bonjour. Pierre Chastel, merci de suivre ma chaîne YouTube. Et puis je dis, n'hésite pas à me dire quel sujet tu aimerais me voir aborder, je suis toujours ouvert aux suggestions. Et j'en profite pour placer la page YouTube au cas où ça l'intéresserait. Voilà, je lui dis merci encore et à très vite. Et je peux faire envoyer. Et du coup, je lui envoie un message personnel. Ici, ça vient se mettre en vert et c'est impeccable. Je peux passer au message suivant. Alors, petite note, gardez bien ça en tête. YouTube n'aime pas du tout qu'on envoie des spams. Cet outil-là de TubeBuddy est vraiment pas fait pour envoyer du spam. D'ailleurs, vous ne pouvez pas automatiquement envoyer 25, 50, 100 emails. Les règles de YouTube disent vous ne devriez jamais envoyer des messages plus vite que ce qu'un humain serait capable d'envoyer. Donc, à vous d'interpréter comme vous voulez. TubeBuddy, eux, disent en gros, dans le petit message ici, essayez de jamais envoyer plus de 25 messages par jour. Si vous êtes comme moi, que vous avez 150, 200 abonnés, ou moins, moi je vous conseille d'en envoyer une dizaine par jour et petit à petit, au bout d'une semaine ou deux, vous aurez rattrapé votre retard. Et après, vous pouvez le faire juste à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné de toute façon, séparée. Vous n'aurez pas envoyé plein de messages d'un coup. Mais si vous envoyez 100 ou 150 messages d'un coup, YouTube risque de ne pas aimer et il peut vous supprimer votre chaîne ou ce genre de truc. Donc, ce n'est pas souhaitable. Donc voilà, pour l'instant, moi je me mets une dizaine par jour. Donc je passe au suivant. Hop. Je clique Abo, c'est bon, c'est marqué envoyé. Hop, impeccable. Je passe au suivant, tac, message, Abo, hop, envoyé. Vous voyez, c'est super rapide, j'en ai déjà envoyé 3. Alors là, ici, on en a un petit peu particulier, Jeff Photographie. Alors, je vous dis que c'est particulier parce qu'en fait, moi, je suis un petit peu spécial, c'est-à-dire que je ne vais pas envoyer le même message à tout le monde. Parce que j'ai des groupes Facebook, et j'ai des groupes Facebook selon le nombre d'abonnés que vous avez. Donc, si vous avez déjà créé 10 vidéos, je considère que vous êtes youtubeur, j'ai un groupe Facebook exprès pour vous.
Si vous avez déjà plus de 1000 abonnés, j'ai un groupe Facebook pour ceux qui ont plus de 1000 abonnés, puis un autre pour ceux qui ont plus de 10 000. Là, Jeff, de Jeff Photographie, il a 2600 abonnés. Donc, je vais l'inviter à aller dans le groupe Facebook de plus de 1000 abonnés. Donc, le message ne va pas être le même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter ici une nouvelle réponse. Donc là, vous voyez que j'ai ma réponse de base, hein, abo, je vais la copier parce que je vais reprendre une bonne partie. Et ensuite, j'en ajoute une nouvelle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux en ajouter une nouvelle parce que moi, je suis sur une licence payante, la moins chère, mais sur une licence payante de TubeBuddy, la Pro. Encore une fois, vous, si vous faites qu'une seule réponse, ça ira bien, il n'y a pas besoin de passer à la version payante pour ça. Donc là, celle-là, je vais l'abonner, je vais appeler abo 1000, mais comme ça, je vous montre exactement comment je peux créer ces réponses. Donc, je vais copier mon truc. Hop, donc bonjour, vous voyez ici crochet N, ça c'est ce qui va intégrer le nom à la place. Merci de suivre ma chaîne, n'hésite pas à me dire les sujets, tout ça c'est toujours bon. Et je vais rajouter ici, je vois que tu as déjà roulé ta bosse sur YouTube. Oui, j'aime bien les expressions un peu vieilles. Je refais une dernière lecture, je vois que tu as déjà roulé ta bosse sur YouTube, bienvenue au club. Si tu souhaites échanger avec des youtubeurs, avec d'autres youtubeurs sur les méthodes pour faire grandir ta communauté, rejoins-nous dans le groupe Facebook dédié aux youtubeurs de plus de 1000 abonnés et je mets le lien. Enfin, si tu souhaites rester au courant des dernières news, tout ça, ça marche encore très bien. Je fais save. Et là, normalement, voilà, j'ai une nouvelle réponse possible. Ici, je vais rafraîchir ma page, parce que là, il ne l'a pas. Hop, alors je dois retraîner jusqu'en bas, tac, tac, tac. Hop, envoyer un message à Beaumille. Je vérifie que tout est bon. Bonjour Jeff Photographie, n'hésite pas à me dire le sujet. Tac, 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 tac. C'est parti, envoyé. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. J'envoie des petits messages, comme ça chacun d'entre vous ou chacun de ses abonnés parmi vous, on vous les recevra peut-être dans les prochains jours, vous allez pouvoir me répondre si ça vous dit. Envoyez des suggestions pour participer, proposer des idées. Et je vous invite, vous, à faire la même chose avec votre petite communauté. Et dites-vous bien que même si vous avez 10, 15, 20 ou 30 abonnés, bah, c'est quand même déjà 30 personnes qui ont cliqué pour écouter ce que vous avez à raconter, à blablater. Et c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, je pense que c'est bien d'essayer de les impliquer dès le départ et peut-être qu'eux vous aideront à trouver, faire du meilleur contenu, à trouver des meilleures idées de vidéos ou autres. Donc, ça peut être pas mal d'essayer de les écouter dès le départ. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Puis moi, je vous dis à très bientôt sur le coin des youtubeurs. Ciao tout le monde.